Lundi 3 juillet, à 21h10, TF1 propose un épisode inédit de Camping Paradis, Hip Hop au Camping avec Fabienne Cara et Ariane Séguillon. Une aventure dans l'univers de la danse et une jolie découverte, Megan Lecoq, dans l'un des rôles principaux. Fabienne Cara, l'ex-star de Plus belle la vie sur France 3, Ariane Séguillon, l'interprète de Christelle Moreno dans Demain nous appartient, impatiente de devenir grand-mère, mais aussi les jeunes Silas Barry-Schmidt, Louis Donadio, Ryan Daoudi, Mélodie Gollet et enfin Megan Lecoq sont les guests de cet épisode spécial Danse de Camping Paradis intitulé Hip Hop au Camping, diffusé ce lundi 3 juillet, notre avis. Il s'agit du premier rôle dans une fiction pour Megan Lecoq. Elle incarne dans la série ensoleillée de TF1 Chloé, la fille de Carole, venue au camping pour préparer le concours d'intégration de la prestigieuse école de danse classique de l'Opéra de Marseille. Sauf qu'elle va devoir partager la scène d'entraînement avec un groupe de danseurs hip-hop, aux grands dents de sa mère. Camping Paradis, Megan Lecoq, Chloé, pratique la danse depuis ses 5 ans. Passionnée de théâtre et de cinéma, la jeune femme pratique la danse depuis l'âge de 5 ans. Formée au conservatoire en Belgique de 2014 à 2016, initiée au rythme et à l'apprentissage d'une chorégraphie, elle a appris à être parfaitement à l'aise devant la caméra et sur scène. Bien qu'elle ne soit pas une véritable danseuse classique, il était facile pour elle de montrer ses talents dans ce domaine face à Fabienne Cara, qui joue sa mère. Si Megan Lecoq propose quelques pas de danse dans Camping Paradis, ce n'est pas le cas de Fabienne Cara. Cette dernière a d'ailleurs été surprise qu'on lui propose ce rôle. Camping Paradis, Fabienne Cara surprise de jouer une ancienne danseuse. Je connais depuis très longtemps Bruno Delahaye, le directeur de casting, qui a pensé à moi pour ce rôle d'ancienne professeure de danse classique. Cette proposition m'a surprise car cela ne serait jamais venu de ma propre initiative, a expliqué Fabienne Cara sur le site pro de TF1. Professeur de cha-cha-cha ou de danse de salon, pourquoi pas? Après ma participation à Danse avec les Stars, tout est possible. Les auteurs et producteurs ont décidément plus d'imagination que moi et tant mieux. The...